Allons-y maintenant avec la dernière partie de notre section 5.2. Donc, dernière petite chose qu'on va voir ensemble, on va parler du déplacement. Et le déplacement, ben là, finalement, c'est juste ramener notre intégrale à ce qu'on faisait en physique. Donc, on a parlé, là, lorsqu'on faisait la dérivée de la position, on a dérivé la position, ça nous a donné la vitesse. Maintenant, on va prendre la vitesse et on va revenir à notre position. C'est le lien qui existe entre les deux notions. Et nous, ben, on va le faire maintenant avec l'intégrale. Donc, on définit le déplacement comme étant cette intégrale-ci. Donc, le déplacement total d'un objet entre t égale a et t égale b va être donné par notre intégrale de a à b de la vitesse de notre objet par rapport au temps. Ici, si on se fie à notre définition de l'intégrale, on va prendre la primitive de la vitesse. La primitive de la vitesse, c'est une fonction telle que lorsqu'on la dérive, ça nous redonne la vitesse. On en connaît une fonction comme ça, hein, parce que la vitesse, on sait que c'est la dérivée de la position. Donc, la position, on peut l'utiliser comme primitive de la vitesse. Donc, à ce moment-là, on prend la position à la fin moins la position au début, et ça, ça nous donne directement le déplacement qu'on a fait. Hein, si on se trouvait à 2 mètres au début et à 4 mètres à la fin, on a fait un déplacement de 2 mètres. C'est comme ça qu'on l'a obtenu en faisant la position de la fin moins la position du début. À ce moment-ci, V de T, c'est la vitesse, S de T, c'est la position. Et on va pouvoir dire que S de T, c'est une primitive de la vitesse V de T. Pourquoi? Ben parce que S' de T, c'est égal à la vitesse de T. C'est comme ça qu'on a défini notre vitesse. Donc, ça ici, c'est un cas particulier de ce qu'on a vu. C'est quelque chose qu'on peut appliquer maintenant pour déterminer le déplacement d'un objet, déplacement d'une voiture, déplacement d'une balle, déplacement d'un projectile, déplacement d'une personne, n'importe quel déplacement qui est soumis à une vitesse et à une position. Avec ça, on va faire un petit exercice 5.8 ici, juste pour restructurer ce qu'on a fait, mais avec l'exemple, avec le contexte qu'on s'est donné. Ici, on se donne un objet qui a une vitesse V de T qui est déterminée par la fonction sin de T. Cette vitesse-là est en mètres par seconde, et on utilise le temps en secondes. On va utiliser des radians sur notre calculatrice. C'est très important, vous travaillez toujours en radians lorsque vous faites des intégrales. Maintenant, avec cette fonction-là de vitesse, on cherche son déplacement entre 0 et 2 secondes. On se donne un indice ici pour ne pas avoir trop de travail à faire. L'indice, c'est que moins cos de t, c'est une primitive de sin de t. Vous pouvez le vérifier de votre côté, vous allez obtenir que la dérivée de moins cos de t, c'est exactement sin de t. Nous, on ne le fait pas, on va l'utiliser directement comme résultat. Dans ce cas-ci, je cherche le déplacement, que je vais appeler d pour déplacement. Et selon ce qu'on a défini pour le déplacement, ça ici, ce sera évalué entre 0 et 2. Et je vais l'évaluer sur la fonction v de t, donc sin de t par rapport au temps. Par mon théorème fondamental du calcul intégral, je peux aller chercher la primitive moins cos de t évaluée entre 0 et 2. Donc, moins cos de t que je vais évaluer entre 0 et 2. Dans ce cas-ci, moins cos de t évalué en 2, ben je remplace t par 2. Et je vais soustraire moins cos de 0. Cos de 0, c'est toujours 1. Donc, on se retrouve avec moins cos de 2 plus, parce que les moins s'annulent, et on a un 1, donc plus 1 tout simplement. Dans ce cas-ci, c'est super important, on utilise les radians dans le calcul et ça va vous donner environ 1,416 mètres, ce qui veut dire que votre objet va se déplacer entre 0 et 2 secondes de 1,416 mètres si sa vitesse est définie par sin de t. Donc, on a tout simplement appliqué le déplacement sur une situation avec des chiffres, avec une fonction et avec une primitive qu'on nous a donnée dans ce cas-ci. Donc, on voit que notre intégrale, on peut l'appliquer déjà là, à des phénomènes physiques. En réalité, là, il y a plein d'autres applications, notamment en volume de révolution, là, lorsqu'on fait tourner une pièce, notamment lorsqu'on usine une pièce, quelque chose que vous allez faire quand même souvent. C'est intéressant de savoir comment travailler avec ça, avec des intégrales. Donc pour l'instant, on s'arrête ici, ça fait le tour de la section 5.2, on a vu qu'on pouvait définir d'air sous la courbe, définir des intégrales, on est capable de les calculer à partir de primitives. Pour l'instant, on se les donne, ces primitives-là, puis on les vérifie. Éventuellement, on va probablement être capable de les trouver par nous-mêmes, mais on a quand même déjà certaines techniques qui nous permettent d'aller chercher ces primitives-là. Pour l'instant, vous pouvez faire les exercices récapitulatifs 1
à 5, c'est à la fin des notes de cours, je vous invite à les essayer. Commencez tout de suite, là, quand même, l'intégrale, c'est pas une petite chose, c'est pas une petite affaire, donc on commence le plus vite possible. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo avec la section 5.3, où là, on va parler de l'intégrale indéfinie. Donc, légèrement différent, on n'aura pas de borne d'intégration, on va tout simplement retrouver la primitive là, à partir de notre intégrale.